Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Yeah. Chers et frères bien-aimés, voilà un morceau évangélique qui peut nous donner du fil à retordre aujourd'hui. Et avant de pouvoir entrer dans la catéchèse, je voudrais prendre quelques minutes pour essayer de déblayer le terrain avec vous sur ce que nous venons de lire dans l'Évangile. Bien entendu, je ne vais pas m'arrêter sur le livre du prophète Osée, qui est le prophète le plus symbolique de l'Ancien Testament. Toute la vie du prophète Osée a été un symbolisme, c'est-à-dire une réaction parabolique. C'est-à-dire ce que le prophète Osée faisait, c'était pour montrer par sa vie, par son comportement, qu'est-ce que le Seigneur attend de son peuple. Donc, c'était une vie parabolique et symbolique qu'avait le prophète Osée. J'ajoute que le prophète Osée est un des quatre prophètes du 8e siècle avant Jésus, avec Isaïe, avec Michée, avec Amos. Osée fait partie de cette pléiade des premiers prophètes écrivains de la Bible. Parce que avant les prophètes du 8e siècle, on n'avait pas de prophète écrivain. Par exemple, Moïse, qu'on considère comme étant l'un des plus grands prophètes en Israël, eh bien, n'était pas écrivain. Élie n'était pas non plus écrivain. Élisée n'était pas écrivain. Donc, c'est à partir du 8e siècle que l'on commence par avoir des prophètes écrivains, et c'est certainement le prophète Isaïe qui a inauguré cette nouvelle manière de faire. Il dit et il écrit ce qu'il dit. Il prophétise et il écrit ses prophéties. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus sur le prophète Osée. Maintenant, venons-en à l'Évangile dont je vous dis, il y a beaucoup de choses à démêler. N'a pas le prendre tout petit de façon pour me permettre de nous comprendre quelques petits bagailles. L'Évangile Saint Matthieu, là, nous dans chapitre 10. Dans chapitre 10, ça, nous commençons un nouveau bagaille dans l'Évangile Saint Matthieu. M'expliquez-nous, n'a pas comprendre. L'Évangile Saint Matthieu, à partir de chapitre 5, nous avons dit l'Évangile a commencé tout bon. Parce que quatre premiers chapitres, nous avons considéré comme grande introduction, qui gagne deux chapitres avec l'Évangile de l'enfance, qui gagne deux autres chapitres qui c'est vraiment préparation avec Jean-Baptiste et puis baptême Jésus. Prédication Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu, il commence dans chapitre 5. Il prend chapitre 5, 6, 7. Trois chapitres, ça y est, 5, 6, 7. Il y aurait le sermon sur la montagne. Donc, les Jésus finissent prêcher sur la montagne. Chapitre 5, 6, 7, ils descendent maintenant. Ils descendent maintenant, ils font 10 miracles. Vous jouez ça dans chapitre 8 et 9. Donc, ils finissent prêcher en premier pan, et puis en deuxième pan, ils baillent réponse prédication qui est dans les œuvres. Kounyan là, les non chapitre non chapitre 10 nous rivea sont l'autre bagaille qui pral paraître dans l'Évangile de Saint Matthieu. Nous pral voir Jésus qui pral faire un travail interne pour le former apôtre li pral choisir. Eh bien là nous rivé là aujourd'hui dans l'Évangile Saint Matthieu. Donc nous pral entrer dans formation dans ça nous relé prédication apostolique. C'est là nous commencer aujourd'hui dans chapitre 10 là. Mais qui ça fait chapitre 10 ça, li gen fil à rien la donne. Eh bien, gardez bien pour eux. Yo dit nous Jésus appela ses 12 disciples. Attendez bien oui. Jésus appela ses 12 disciples.
Après ça, il dit nous, voici les noms des 12 apôtres. Nous va ouais, bah yo pas fini clair là. 12 disciples, 12 apôtres. Or, si nous bien comprendre, Jésus pas gain 12 disciples seulement. Or, mais ça yo employé c'est adjectif possessif ça, eh bien yo il voulait dire c'est celle 12 li te gagné, pourtant c'est pas ça. Mais qui ça qui fait moi prend temps m'expliquer nous li, c'est parce que Matthieu voulait montrer nous ça Saint Jean lui-même lui fait dans l'évangile là. Et qui ça Saint Jean fait dans l'évangile là? Lui montrer nous que vrai apôtre là son disciple. Eh bien Saint Matthieu pral dou comme ça que c'est pas apôtre là qui plus important non, c'est être disciple. Sou pas disciple ou pas ka apôtre. Et sou apôtre ou pas disciple ou pas rien. Donc c'est ça en premier pour nous comprendre. N'ta prend temps pour m'expliquer nous ni mot disciple ni mot apôtre là même pas privé loin comme ça avec nous. N'ta seulement fait nous comprendre que les Matthieu dit li relé 12 disciples yo li vle faire nous comprendre que Jésus t'a déjà choisi nan mitan disciple yo 12 qui comme mettait à part comme 12 disciples à part. Et ça, Matthieu te vle di nou. Maintenant, Matthieu pas montre nous comment changement en fait entre disciples et apôtres. Tandis que Saint Luc a montré nous ça. Saint Luc pral di nou comment yon disciple vin apôtre. Et comment yon disciple vin apôtre? Yon disciple vin apôtre, le Jésus prend disciple lan, et puis li bal yon mission spéciale pour l'alfè. Et qui mission spéciale Jésus kon bay disciple yo pour yo tourné apôtre, c'est voyer yo devant côté le gain pour l'aller pour yo al parer route pour lui. Donc qui ça yon disciple son moun k'ap suiv Jésus-Christ et qui ça yon apôtre son moun Jésus voyer devant le côté le gain pour aller faire travail li. Nou wè m'expliquer nou bagay yo très simple de façon pour nous comprendre. Bien entendu, nous avons aller plus loin avec nous, mais comme il faut que moi entre en dans catéchèse là, m'a seulement fait une dernière annotation avant dans la catéchèse là. Yo ba nous nom 12 yo. 12 disciples ça qui vinn 12 apôtres yo ba nous nom yo. Eh bien, faut nous connaître que dans l'évangile yo, il y a 4 l'évangile, Marc, Matthieu, Luc avec Jean. Jean pas cité nom 12 yo dit tout. Soit al cherche dans l'évangile Saint Jean qu'on trouve 12 apôtres ou bien 12 disciples Jésus pas bien joindre. Saint Jean cité au maximum 7 là-dedans yo, il pas cité plus. Maintenant, si ou aller dans Saint Marc, ou bien une liste, soit aller dans Saint Luc, ou bien une liste, soit aller dans Saint Matthieu, ou bien une liste. Ça veut dire nous gain 3 listes différent des 12 apôtres. Bien entendu, moun savé au cadeau gen kèk côté c'est même nom qui vinn son l'autre nom. M pa rentrer dans bagay technique ça yo avec nous. M seulement vle nous comprendre que dans liste la gon façon li organisé. Dans quelque soit liste apôtre yo ou joine, ou joine nom Pierre toujours en premier. D'ailleurs, Matthieu dou c'est lui même qui premier. Mais dans quelques autres listes, ou pas besoin ni comme ça, parce que après Matthieu fin dou Pierre, ça veut dire Simon y aurait les Pierre, li bo tout de suite frère André, parce que Matthieu élaborer liste liant dans un groupe de 2, ça veut dire c'est 6 par 2 le fait, tandis que dans l'autre ou pas besoin ni 6 par 2 comme ça. Donc alors li fait 2 frères Pierre et André Fréli, Jacques et Jean Fréli, et puis ainsi de suite, qu'on y a le pral pran Philippe et on l'autre, Philippe, Matthieu et on l'autre, c'est comme ça le pral fait, c'est comme ça li élaboré. Donc, m'ba nou ti explication technique ça yo, c'est avec frère yo, c'est pour nous ka comprendre que nous-mêmes catholiques, les yo di nous pas konn la Bible, nous ou bien pè yo pas expliquer Bible, et bien faut nous connait li pas toujours vrai. Gen on série de ti bagay technique. Eh bien, c'est vraiment au fur et à mesure pour nous apprendre, pour nous connaître, pour nous serrer un côté dans tête, nous fond, et puis pour nous dire, ah,
me songe gon lè oui yo te dit ça dans l'église. Donc c'est pour ça moi prends temps expliquer nous ti bagay ça yo. N'a campé là sous l'évangile avec sous liturgie. Qu'on y a vin aller en dans catéchèse noir. Catéchèse là nous songe semaine passée, m'te dit nous toujours en dans liturgie de la parole là. Et m'te ba nous tout élément li gen la donne. Et m'te dit nous sorti déjà dans première lecture, nous pral rivé dans deuxième lecture. M'te dit nous pas rentrer dans psaume responsorial là tout de suite, m'a font ti campé sous li, c'est l'aime fini avec toute lecture, m'a entrer dans psaume responsorial là. M'te expliquer nous ça. M'te expliquer nous tout pour qui ça yo employé mot lecture et m'te dit nous piège qui gen dans mot lecture parce que m'te dit nous que en créole mot créole la pi correct. Là nous dit mot sur la Bible, eh bien li pi correct passer lecture là. M'te expliquer nous ça semaine passée. Bon, jodi an qui ça nous pral garder. Nous pral garder ensemble deuxième lecture. Deuxième lecture, m'te commencé ba nou information sur li, mais m'a bay plus jodi. Deuxième lecture. D'abord mot deuxième nan. Si vraiment nous t'a fait bagay yo très technique, si nous t'a prendre sous thème de texte, nous pas t'a dit deuxième lecture, nous t'a dit troisième plutôt parce que normalement tout à l'heure nous fin li première lecture et puis après ça nous lions deuxième, nous relé le psaume responsorial, mais très souvent c'est li nous li tout. Donc si c'est li nous li tout, donc son deuxième lecture puisque c'est parole bon Dieu. Donc non, la messe là pas jamais gagné deux lectures vraies. Ordinairement gagné trois lectures. Ordinairement pas même gagné trois lectures, gagné quatre lectures. Gagné première lecture, gagné psaume en fait deux, gagné deuxième lecture en fait trois, gagné l'évangile en fait quatre parce que tout quatre est li nous lio puisque n'a parlé de lecture c'est li nous lio. Maintenant, gon ti bagay technique pour me dire nous. Nous un mot lecture yo employé a. Même si comme si m'dado ou ta wè yon moun vini sou an bon an li kantiye première lecture et li kantiye deuxième lecture c'est li si nou wè pè a kantiye l'évangile lan c'est li kantiye a c'est lè comme si m'dado ou prend parole yo et puis ou fait tankou t'ap chante yo tankou les pè a sou l'hôtel là li chante préface là ou bien encore li chante nan canon an yo rele ça kantiye. Eh bien, yo fèl tout pour lecture, yo ka fèl pour tout quatre. Donc, ça veut dire bien entendu gen en pile côté yo pa jam li yo c'est kantiye yo kantiye yo. En Haïti, nous pas habitué avec kantiye pour nous kantiye texte yo, mais gon bon côté yo fèl. Moi-même l'évangile là, m'pa kantiye le souvent, mais de temps en temps, m'kon kantiye l'évangile là. Donc ça c'était pour banon explication sous mot lecture de façon pour nous bien comprendre que toute bagaille doit être clair dans tête nous sommes avec frère. Ceci étant précisé, venons un petit cas al plus loin. Donc moi dis nous ça nous est le deuxième lecture, c'est troisième texte en dans liturgie de la parole là, c'est troisième non. Premier c'est première lecture, deuxième non, c'est psaume responsorial là, troisième non, c'est ça nous est le deuxième lecture. Deuxième lecture à qui côté le sorti. Semaine passée, m'te commencé dit nous que deuxième lecture li sorti directement dans sa nourele mémoire des apôtres. Et ça m'te dit nous mémoire des apôtres. Et qui est-ce qui employe expression mémoire des apôtres première fois? Eh bien moi dit nous c'est Saint Justin. C'est Saint Justin qui première fois employé expression mémoire des apôtres là. Mémoire des apôtres là qui ça gagne la donne. Moi te divisé le pour nous en deux parties. En première partie qui gagne quatre l'évangile et puis en deuxième partie qui gagne lettre Paul avec l'autre lettre que les lettres apostoliques ou bien lettre catholique. Alors, c'est ça. Donc on y en là comme quatre l'évangile nous pral mettre yo non l'autre catégorie nous pral dit c'est l'évangile. Donc ça veut dire les nous a besoin deuxième lecture nous a quitté l'évangile nous pral nan reste là. Donc ce qui fait que deuxième lecture qui côté le sorti li sorti most of the time nan Saint Paul. Donc Saint Paul lui-même gagné à peu près 13 lettres en tout
que qui vient sous nom Saint Paul. Me dit bien oui, qui vient sous nom Saint Paul. Mais moun savé yo t'a dit que Paul pas écrit tout. Bien entendu, moun savé yo dou que Paul Gellet a écrit entre 6 à 7 dans toute lettre sa yo. Mais nous habitué dit Paul écrit 13 lettres. Eh bien, nous kembel, nous pas changer. Donc, ça veut dire, dans le Nouveau Testament, pi gros auteur qui gagne, dans le Nouveau Testament, pi gros auteur, c'est Paul. Pi gros auteur dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Et lui qui écrit plus. Après ça, après Paul, ou joigne Jean. Si Paul t'a écrit en tout 13, Jean, ou abjoigne que Jean écrit en tout 5. Il y a l'évangile Lia, il y a 3 lettres et puis livre Apocalypse. Donc, me fait barrer yo clair pour nous, c'est ma vête première pour nous comprendre. Donc, ça veut dire qu'on y en là, l'on a parlé de mémoire des apôtres, nous dit c'est toutes lettres qui écrit dans le Nouveau Testament net. Et nous dit, normalement, la donne nous divise en deux parties. Nous gain l'évangile et puis nous gain ratio. Ça c'est premier bagage nous dit. Nous dit deuxième lecture c'est mémoire des apôtres moins l'évangile et ça nous dit. Donc ça veut dire kounyan là les nous retirer. Nous connaît dans Nouveau Testament gain 27 livres et bien les nous retirer 4 l'évangile dans 27 là. Combien crété? Combien crété? Rete 23, eh bien 23 ça crété ya, c'est la donne deuxième lecture sorti. Va yo clair? Donc, l'on besoin qu'on est côté deuxième lecture sorti, ou dit c'est normalement livre Nouveau Testament moins l'évangile. Et puis le clair. Pas simple. Pas qui compliqué non. Donc on y en là maintenant comme Paul c'est lui qui écrit plus, donc on a besoin Paul vienne plus souvent. Donc, parce que lui écrit plus, c'est raison ça qui fait lui vine plus. Mais entendu, gonti nizim pas dit nous, parce que dans 23, nous gagnons livre avec des apôtres qui ont l'autre statut. Nous avons commencé à parler de lui déjà. Parce que livre avec des apôtres là, semblait, dans le commencement, lui te fait un seul avec l'évangile là, avec l'évangile Saint-Luc là, parce que c'est Luc qui écrit tout de. Lui écrit l'évangile qui portait non et puis lui écrit livre avec des apôtres semblait oui m'dou semblait dans commencement c'est pas deux livres c'était un seul là et puis après ça yo vinn diviser yo vinn faire deux et puis qu'on y a vinn gagne l'évangile Saint-Luc et puis vinn gagne livre avec des apôtres donc qu'on y a livre avec des apôtres là qu'on y a là li vinn tourner cinquième livre en dans Nouveau Testament parce que l'offre nous joigne quatre évangiles c'est livre avec des apôtres là rejoignent par ordre en dans la Bible là. Donc deuxième lecture moi dis nous il sorti dans mémoire des apôtres moi dis nous il sorti plus dans Paul mais gagner on l'est ou joindre en deuxième lecture surtout qui ca première lecture et ça me devait faire nous comprendre nous qui fait m'a fait toute littérature ça yo. Eh bien, là où prend temps Pascal, nous fait sortir dans temps Pascal. Là nous prend temps Pascal, c'est avec frère Mio, eh bien, ou a joindre que premier lecture, il pas sorti dans Ancien Testament, mais il sorti dans Nouveau Testament. Hein, a joindre ni comme ça, de pour fini avec célébration fête Pâques, ou a entrer dans temps Pascal, eh bien premier lecture, il pas sorti dans Ancien Testament, l'a sorti dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, ti bagay technique ça yo, c'est pour nous songer yo, c'est pour nous kembe yo, c'est pour nous mettre yo dans tête nous parce que y a pitil nous, l'autre mon a parlé a dit nous que yo connait la Bible et puis n'a pas comment y a ba nous menti. Les ça n'a connait effectivement comment bagay yo fait et comment livre yo organisé. Donc, qu'on y en là, ou gen doit gon premier lecture qui sorti dans Nouveau Testament, pas oublier ça, mais plus souvent premier lecture la sorti dans Ancien Testament. Moi dit nous dans temps Pascal ou joni sorti dans Nouveau Testament. Donc qu'on y en là, après ça ou gagne lettre Saint-Jean yo. Lettre Saint-Jean yo tout dans temps Pascal nous li yo en pile. Et ça fait ou très souvent gagne
toi ti lettre Saint Jean écrit yo ou ap gen yo nan temps Pascal comme deuxième lecture. Donc après ça kounyan la c'est presque lettre Paul yo net ou pral joine. Normalement dans lettre Paul yo nous gen ça nous rele les grandes lettres et puis après ça nous gen lettre yo rele lettre christologique, après ça nous gen lettre yo rele lettre pastorale. Là nous parler de grandes lettres pour Paul, n'a parlé de 4 ou même 5 même. Ou gagnent premièrement c'est lettre Paul pour Roméo, elik pi gros, elik pi long, elik pi belle, elik pi théologique. Après ça ou gagne 2 lettres li écrit by moun Corinthien yo. Ça fait 3. Après ça ou gon 4e yo les lettres li écrit by moun Galatio. Ça fait 4. Ndi 4 ou 5 parce que yo kon met ton 5e qui c'est lettre aux Éphésiens, mais yo pas toujours mettel, yo kon mettel dans catégorie lettre christologique. Donc kon y ensemble avec frère mieux nous pas ka di nous pas fon dans deuxième lecture non. Kon y nous gen doit faire un genou n'importe là nous vinn la messe nous déjà connaît côté deuxième lecture a sorti. Et pour ça oui, nous fait catéchèse ça de façon pour nous ka connaît, de façon pour les a ba nous menti, nous wè kote menti a sorti. Parce que l'Église catholique n'a pas menti là-dedans. C'est la vérité le gagne. Donc, voilà comment deuxième lecture lui-même l'y organise. Après ça, nous parlons de lettre Paul, nous parlons de lettre Saint-Jean. Après ça, gagne l'enfin année liturgique, là, ou après lettre Saint-Pierre, yo paraît. Deux lettres Saint-Pierre, yo paraît dans fin année. Et puis, dans mi-temps année, pas Saint-Jacques là paraît. Si lettre Saint Jude l'en lui-même, eh bien, il lit tout coûte et lit pas gain gros cause là dans ni l'apparaît épisodiquement. Donc, mais comment deuxième lecture l'y organiser dans la vie liturgique l'église là. Donc, deuxième lecture lui-même, c'est dernier bagage m'a dit nous sur ça. Deuxième lecture ordinairement lit cursive. Mot cursive là livre dit que l'a suivi un cours, li sorti non point, l'a privé non l'autre point. Cursive l'en veut dit si ou ap li on lettre Paul, eh bien si c'est lettre aux Romains ou ap li, eh bien ou ap commencer dans chapitre 1 jusqu'ou rive dans chapitre 16 et puis y a fini à lettre là avant pour y entrer non l'autre. Et ça relé lecture cursive. Mais lecture ça nous relé lecture cursive l'en, li pas toujours exact non parce que yo pas li tout parce que gen kek bagay yo kon kite soit parce que normalement c'est détail qui pas important pour la foi nous l'aime dit pour la foi nous ça veut dire yo plus gen trait avec culture ou bien avec histoire soit tout simplement nan façon l'église la organise message l'évangile là pour nous comprendre ni bien li gen doit gon passage qui pas concordé directement avec liturgie jouan, laisse ça, yo on découpe le, yo retire le, et ça fait, moi t'ai expliqué nous gon Bible, tout esprit ou les Bible liturgique, Bible ou les Bible liturgique là, tout texte net qui utilisé en dans célébration la messe là, en dans Bible ça ou joindre tout, mais ça veut dire qu'il y a quelques petits passages ou pas joindre dans Bible liturgique là, parce que yo retire ça, yo pas utilisé dans la messe là donne. Ferme avec ce mieux. M'espérer si catéchèse jodi an li permet nous comprendre fil en aiguille deuxième lecture. Ça veut dire semaine prochaine la facile qu'on y a là pour nous venir entrer dans psaume responsorial là. Psaume responsorial là m'pa cacher de nous, m'te dit nous ça déjà l'onti gens difficile. Difficile là et pas tellement moi même pour expliquer nous li non. Difficile là pour gens nous ta doué organiser psaume responsorial là pour lui prendre place lui tout bon vrai comme deuxième texte dans liturgie de la parole là et deuxièmement pour nous apprendre psalmodiel Jean l'église là lui-même lui t'a souhaité nous faire ça dans livre lire les graduels là mais c'est des traditions que nous pas gagné dans l'église catholique en Haïti et ti j'ai fon n'a fait ici là c'est ouais si bon bagaille yo ça nous commencer perdu nous pas ta perdu honnête ça nous pas ko gagne pour nous ta gagne de façon pour l'église nous en vienne plus belle pour lui vienne plus riche pour nous plus bon chrétien pour nous plus diam dans la foi pour nous plus solide dans conviction nous et puis pour la foi nous vienne tourner on la foi qui a grandi jour après jour.
Donc, c'est vraiment ça. Moi, je voulais partager avec nous aujourd'hui, c'est avec Frémio, dans la catéchèse. Ça. Moi, c'était que la grâce et la bénédiction, bon Dieu, était sous nous chaque, et puis aidez-nous, rester dans le chemin qui conduit dans la vie qui ne peut jamais finir. Amen.